Non, ça c'est bon. Ça c'est bon, je suis stressé, je suis stressé. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Là, ouais. Public. Non, c'est pas ça. L'aiguille de la République. Ah, voilà. Imagine, t'es en haut de l'aiguille de la République, t'es prêt à sauter, et tu zappes toute la descente. En 3 minutes, t'es à Chamonix alors qu'il aurait fallu quoi? 10 heures? Alors le matos, wingsuit, parachute, sac, bodard, quelques friends, deux dégaines, un descendeur, des sangles, une corde, on sait jamais si ça bute, gants, guêtres, frontal et laser, chaussons d'escalade, ça grimpe, crampons, piolets, broche à glace, semi-grosse, lunettes, casque, bouffe, doudoune et coupe-vent. Ça va jamais rentrer dans la wingsuit. Yeah, baby. Cotation globale des dénivelés des difficultés, 650 mètres. Du refuge, prendre pied sur le gracier, trait à la porte, franchir arrimé, partir en ascendance à gauche. On remonte en SM de Vierre pour descendre quelques mètres. Là. Altitude de l'aiguille de la République, 3305 mètres. Si je vais sur Géoportail et un petit calcul de distance jusqu'à Chamonix, ça fait 2,24 de finesse en moyenne. Ça devrait passer. Il n'y a pas de vent, c'est tout bon. Allez, ah, il y a du vent là. Trois, deux, un, et base. Excellent! Ouh!